exercice job que t'as fait. L'en aller dans sa loi qui en figure yo dit qu'on dans secteur privé patron qui engage là li gen pour obligation dans article 31 code du travail pour li ba ou bonne condition de travail pour bon matériel pour assurer sécurité et puis pour permettre d'évoluer dans conditions hygiéniques acceptables qui permettent la vie en danger. Ça, c'est pour le secteur privé. Dans le secteur public, là, tout, mon cap travaille dans l'État. Mon cap travaille dans l'État, dans le bureau de l'État. Mon texte qui relève décret portant révision du statut général de la fonction publique. Bon article qui entend texte ça, qui dit que 152, 153, il dit que fonctionnaire l'État, employé l'État, il y a droit à la protection de l'État. C'est-à-dire l'État de protéger eux. L'État de permettre de défendre droit eux. Dans des conditions prévues par la loi. L'État doit garantir, article 153, protection sociale pour tout le monde qui travaille avec lui. Donc, 4 personnes qui sont mortes le 8 janvier, c'est employé l'État. Oui. L'État n'a pas qu'à faire mes yeux sur ça. Selon enquête que OPC mène, sous dossier, il y a plusieurs rendez-vous que vous avez par an, 4 personnes qui mourent. Mais jusqu'à présent, on n'a pas beaucoup défini. Il y a beaucoup de gens qui savent exactement ce qu'il y a fait pour vous en termes de sécurité sociale. C'est l'occasion pour nous-mêmes, au niveau de l'OPC, pour nous attirer attention institutions qui sont concernées par des personnes. Ministère côté moun sorti attaché le gouvernement même en général pour nous dire que dossier ça pas capable d'être comme ça. Il faut que au regard du droit à la sécurité sociale faut que dit par un mot le mot l'objet fait en tant qu'institution nationale qui l'a pour faire protection et promotion par monde. Nous avons voulu d'aborder cette question, enlever le rideau, rendre un hommage et aussi exprimer notre indignation suite à la mort de ces 4 compatriotes avant de commencer avec la commémoration de la journée internationale consacrée au docteur Martin Luther King, symbole de la lutte contre la non-violence. Activité ça, nous dédié tout au début, divisé deux bagailles. Pour pas nous viser, divisé à permettre jeunesse là. Pendant que la vie, les plus générations qui l'a eu, pas connu. Il permet nous, divisé à permettre jeunesse là, qu'on est tout. Des personnalités. Faut que nous parlions pour les gens qui ne peuvent pas parler. Catégorie qui est plus faible. Mais faut que tout, Jean, Dr. Martin Luther King, nous dit, faut choisir qui méthode que nous avons utilisé. Et méthode que nous avons utilisé, je ne vous dis, c'est une méthode qui doit axer sur la non-violence. Le docteur Martin Luther King Jr. fut un protestant. Il croyait fermement que tous les hommes naissent égaux et ont droit à la dignité, au respect et à l'équité des genres.
il a puisé toute sa force dans la parole de Dieu. Car il croyait que Dieu n'a pas créé ce monde pour ensuite l'abandonner. Il a donné un manuel qui est la Bible pour que nous puissions comprendre le fonctionnement de ce monde, les institutions et les domaines de ce monde. De la même façon aujourd'hui, pour chaque appareil inventé, nous utilisons tous un téléphone. À l'intérieur de l'emballage du téléphone, on a placé un manuel. Ce manuel vous donne l'instruction nécessaire pour que vous puissiez exploiter au maximum l'appareil. Connaître le mode de fonctionnement. Je le dis, Dieu n'a pas créé le monde abandonné. Dieu a doté le monde d'un manuel, c'est la Bible, qui doit nous guider et nous dire comment faire les choses. Martin Luther a vu et a lu de la Bible une parole dans Proverbes chapitre 31, verset 8 et verset 9, qui dit « Ouvre ta bouche, parole pour le muet, pour la cause de tous les délaissés. Ouvre ta bouche, juge avec justice et défends le malheureux et l'indigent. » Cette parole s'adresse à nous et principalement au protecteur qui est là. Et ce matin, il vient de nous donner un exemple, sa défense pour ces quatre hommes qui ont trouvé la mort. Il y a des gens qui sont muets, qui ne peuvent pas parler. Il est de notre responsabilité comme citoyens, comme défenseurs des droits humains, de parler pour ces muets, pour ces délaissés. Il est de notre responsabilité de défendre les malheureux. Aujourd'hui, le pays est un pays difficile. Même ceux qui ont un nom ont du mal à trouver justice, voir les malheureux, ceux qui n'ont pas de nom. Quelque part, un endroit, Parks a refusé de céder sa place dans un bus, cette femme était noire, à un homme blanc. En posant cet acte, quelque chose allait changer en Amérique. Le débat sur les droits civiques des Noirs aux États-Unis allait prendre un autre tournant. Ce qu'il y a d'intéressant dans ce débat, après l'acte posé par Rosa Parks et les conséquences qui s'en sont suivies avec la police, avec la justice et tout, il y a eu un personnage du nom de Martin Luther King qui a mobilisé des milliers de gens, vous voyez bien, je dis de gens, de citoyens, de citoyennes, je n'ai pas dit de noirs, des milliers d'Américains, par la suite des millions, non pas pour leur demander d'aller brûler le bus de Montgomery, non pas pour leur demander d'aller tuer les racistes américains, non pas pour leur demander de déchouquer le gouvernement, le président, le premier ministre, enfin le gouverneur, le vice-président, mais on leur a demandé d'utiliser une nouvelle formule qui est celle de la non-violence. La question qui nous est posée par cette approche de Martin Luther King, nous autres en Haïti, est-ce que la violence peut conduire au bien-être collectif, quelle que soit sa justification?
c'est la question à laquelle je vous invite aujourd'hui à débattre avec moi. Avant de faire ce débat-là, je voudrais juste vous signaler un petit fait. Cette année, la 50e année que Martin Luther King a été assassiné. Par la non-violence, Martin Luther King a su, bon, pas seul, en équipe, pas seul, au niveau international, il a eu des supports. Dans toute l'Amérique, il y a eu des gens de différentes classes qui ont travaillé avec lui, qui l'ont accompagné, qui l'ont soutenu, mais c'est la figure emblématique de cette cause américaine, c'est lui. Donc par la non-violence, il a su forcer l'État américain à changer la donne. Il a su faire reconnaître aux États-Unis les droits civiques des Noirs aux États-Unis. Moins de 50 ans après, aux États-Unis, un miracle s'est produit. On a eu Barack Obama, un Noir président aux États-Unis. Je félicite l'Office de la protection des citoyens pour ramasser les étudiants, les jeunes, les organisations civiles pour honorer Martin Luther King et en fait pour créer toute une série pour apprendre des grands personnages qui ont lutté pour le droit de l'homme autour du monde. Les grands personnages qui nous ont instruit comment vivre, comment faire un monde meilleur. Dû aux États-Unis, c'est une journée fériée pour respecter toutes les instructions que Dr. Martin Luther King nous a enseignées. Et il nous a fait rappeler qu'il ne faut jamais cesser de rêver. Il faut encourager tous nos enfants de ne pas cesser de rêver d'un monde meilleur. Je suis honorée d'avoir beaucoup de partenaires des États-Unis ici parmi nous. Et je peux affirmer que nous sommes là pour solidifier le partenariat que nous avons en Haïti pour travailler et continuer de faire le partenariat plus solide. Côté que matin, hein, il y a de ça quelques minutes, côté que selon toute information que nous gagnons, et bon équipe justement, et au niveau police scientifique, cal dans zone là, côté que t'assemblé inspecteur de police, Saint-Ima, Don Fred, t'as tué tête li dans ta barre 27. C'est ça pour le moins que nous gagnons comme information. C'est certain que bon enquête qui a ouvri au niveau de la direction centrale de la police judiciaire. Bilan, opération et affaires traitées pour l'année 2017 au niveau de la direction centrale de la police judiciaire. Il y a 588 personnes qui sont interpellées. Il y a 329 personnes qui sont recherchées. 428 cas résolus, saisis. 48,118 kg cocaïne. Saisi 954,5765 kilos marijuana saisi, $30,000 américains saisi, €45,000 saisi, puisse passer 1 million de goods saisi par la DCPJ pour année 2017 là. Il y a 46 véhicules qui confisqués, 20 motos, 92 âmes, 2 bateaux, 3 maisons confisquées. DCPJ arrêté Noël Austin, 74 ans. Il a arrêté lui mercredi 10 janvier 2018 là. Il était en possession 3 kg cocaïne. Arrestation s'est faite à l'aéroport. Il a pris vol à bord JetBlue direction Fort Lauderdale. Dossier justement qui a dominé semaine passée, hein, qui a dominé justement l'actualité, c'est
assassinat père Joseph Simoli, 54 ans. Côté que, il y a une grosse avancée qui est faite sur l'enquête là, au niveau de la DCPJ. Et l'enquête là, la continue pour que nous soyons capables d'arriver, arrêter, mettre en colère par la justice, tout auteur, tout monde qui est impliqué dans l'assassinat père Joseph Simoli, 54 ans. N'a pas rappelé, père Joseph Simoli, 54 ans, il est vicaire de la paroisse Sacré-Cœur de Turjo. Il était assassiné le jeudi 21 Serville, qui continue que les Nathan, qui a 28 ans, qui fait Pétionville. Jean-Louis Gilmer, qui continue que les exempts ou timulâtres, il fait le 10 septembre 1986, Tempérin. Jocelyn Philogène, il fait le 2 mai 1997. Jean-Louis Pierre, il fait le 8 janvier 1986, Port-au-Prince. Chef d'accusation, assassinat, détention et port illégal ZAM, association malfaiteur. Notre cadre d'opération, ça, DCPJ confisqué deux motos, également un revolver de DCPJ saisi dans mes bandits. Père Simoli prend yon balle. Au niveau bois gauche qui passe dans la cage thoracique et balle logé dans le côté vital dans le col et qui provoquait une hémorragie et qui malheureusement tué père Joseph Simoli. Pour le moment, transmission procédure partielle là et présumé bandit, nous prenons transféré dans le parquet, côté que la justice justement gagne un travail pâle pour le préfet. Et enquête là, la continuer dans quatre dossiers ça. Nous avons noté bandit Sayo que nous présenté là et l'autre que nous avons recherché dans quatre dossiers ça. Monsieur Sayo impliqué dans l'assassinat qui était fait sous inspecteur de police Chibli Jeune le 2 avril 2018, Delma 95, 2017 pardon, et impliqué tout dans l'assassinat qui était fait sous Frédéric Viau. Le 5 juillet 2017, Delma 83. Comme nous connaissons, l'Archive nationale sont une institution, nous a dit, bien hypothèse non nationale, en ce sens que documents qui en dedans institution ça, c'est documents qui sortis dans toute administration publique là net et qui viennent mourir en dedans archive là pour servir administration d'abord, tout le monde qui est dans l'administration ensuite pour servir chercheurs, monde qui est intéressé à l'histoire du pays. Lorsque nous entrons dans l'archive là en 1983, nous devons une situation désespérée, nous devons une situation désespérée. Bon, moun qui connaît, qui te connaît, qui archive la terre, nous qui suivent avec nos évolutions, nous, jusqu'à aujourd'hui, nous voyons qu'il est fort fait pour que nous changions les bagailles. Nous, il venons au moment, nous venons au président, d'où qui dit, il veut changer les bagailles encore. Changer au plus toujours. Nous avons vraiment trouvé nous très à l'aise dans le programme ça, puisque nous avons déjà pensé d'initiative déjà qui est allé vers le changement. L'Archive nationale a deux bagailles extrêmement importantes que l'a fait. Premièrement, c'est prendre en compte tout document qui est en administration publique, ni document qui est passé, ni document qui est récent, pour l'État rendre document accessible à monde qui a besoin de servir avec eux. C'est ainsi que nous avons un programme pour aborder année ça, année présidence président Jovenel Moïse, nous avons un programme nommé programme de gestion des documents administratifs PGDA que nous mettons en place avec OMRH et déjà manuel d'exécution programme ça après il ne sait que texte politique archivistique national après tout c'est tant
pour nous commencer à mettre en application. Pour que nous ne pas nous faire, dans chaque administration, nous connaissons depuis après 12 janvier, c'est gagné un pile document qui froissé, qui gaspillé, qui perdu, que nous récupérions tout qui est dans mauvais état. Et bien, le programme ça a visé à récupérer tout document ça, qui est dans différents ministères, dans différentes institutions de partout, pour nous trier, classer, et pour nous rendre accessible à ce qui va vieillir dans 5 prochaines années. Document ça a libéré, et nous l'avons acheminé le bal, et le Premier ministre et le Président de la République. Et objectif final, étude ça, c'est faire en sorte que l'archive nationale finisse par gagner ça m'arrive, un bâtiment aux normes. Nous fonctionnons là dans 4 sites, 4 bâtiments. Donc 2 bâtiments, c'est loin nous louer. Et le coût de nous très cher, l'occasion coûte très cher. Nous devons sortir dans la logique et dispersion énergétique pour que nous retrouvions notre. Tout un personnel institution retrouvé à l'intérieur d'un seul bâtiment et qui peut offrir le maximum de sécurité aussi à documents historiques, qui est extrêmement important comme nous connaissons, et documents historiques Haïti, pas pour Haïti seulement, mais pour toute région Caraïbes et Amérique latine. Maintenant, le deuxième moment, et nous manions sérieusement, c'est ça nous arrive la question identitaire. Mes amis, nous avons chance pour la première fois. Jouen un président qui comprend l'importance question identitaire là dans la vie nationale. Mais il est arrivé avec toute volonté de gagner, comme il toujours dit, avec mais, il pas de l'autre ressource, il pas chercher l'autre ressource dehors. C'est même ressource qui est disponible, il pourra l'utiliser à travers visionnaire pour que les rendre bagaille fonctionnel. Et effectivement, avec volonté, ça a été gagné. Nous avons aussi fait, mettez-nous ensemble, Archives nationales, ONU, et direction immigration. Donc, nous devons prendre disposition tout. Nous développons stratégie, nous avons une stratégie, service de proximité. Aller vers les citoyens, pas tant que tout le monde, quand on vient pour le on besoin de faire passeport, on besoin de faire archives, on besoin pour venir. Ben, ça a fini. Le président dit que ça va qu'à faire. C'est pour les citoyens, ils veulent un service à côté lié. Qui ça fait? Nous créer environ, le président censé, bon, une possibilité de nous créer 16 CRLDI. CRLDI, c'est centre de réception et de livraison de documents d'identité. Actuellement, il y a 16 qui ont fonctionné. Il y a 4 dans la région métropolitaine. Wilamar a bien précisé pour nous, ils ont besoin. Fait passeport, ou besoin de faire extraire chez vous, eh bien, ou besoin de faire 4 identifications nationales, ou pas besoin de avoir tête chargée, de pouvoir nous faire des tout près de la caille, eh bien, on va venir tout service à eux, même côté. Nous disons Wilamar, nous disons Tabar, nous disons Pétionville, nous disons Alcaïe, nous disons Vaudreuil, Cap-Haïtien, nous disons Hench, nous disons Verrette, nous disons Marigot, nous avons Jacques Mel, nous avons Akin, nous avons Jérémy. En tout cas, 16 qui ont fonctionné pour nous. Et dans le programme président, il visait à couvrir tout le territoire, les 10 départements géographiques, en 40 et 46, c'est des écoutes à couvrir le pays. Avant le mandat a fini. Donc, nous, là, avec lui, à côté, nous, jusqu'à présent, il y a marché. Et nous, on a une participation, nous devons faire commencer. Et il y a une amélioration pour porter, nous prendre disposition pour ça. À moins que nous fassions extension au-delà de 16 votes, 16 qui gagnent déjà. Le programme, ça permet que nous fassions une lutte contre la corruption, et peut-être créer un emploi à tout. Il faut me dire, à peu près, l'archive nationale créé à peu près plus que 205. Donc, dans une réunion de bureau avec les anciens blocs politiques pour que nous planifions sur la séance de demain, si elle se pour une formation de commission, puisque. La commission a formé après que le bureau a inscrit le bloc politique en séance plénière. On attend d'abord la séance de demain pour que inscrit le bloc politique, nouveau bloc ou même bloc abrasé.
que pour être capable, à partir de formation de nouveaux blocs, pour déterminer comment on doit repartir la commission. Moi-même, je n'ai pas fait partie d'aucun bloc politique, puisque l'ancien bloc auquel mon dieu a appartenu est écrasé, c'est GPI. Ouais. Donc en attendant, moi, j'ai été comme étant un non-apparenté. Et je vais écrire au président une correspondance pour l'informer de situation en assemblée des députés. Donc je reste à la disposition de l'Assemblée et je participerai au débat et à toutes les séances de l'Assemblée, donc comme député à part entière. Et vos commissions après ça, vous avez déjà? Les commissions sont renouvelées chaque année, les bureaux de commission. Donc on attend les discussions, ça va dépendre, nous connaissons que en démocratie et surtout à l'Assemblée parlementaire, à la Chambre des députés, c'est le principe de la majorité. Le principe de la démocratie, c'est la majorité. Donc après que la majorité aurait fait valoir son droit, donc on saura quelle commission présider ou pas. En attendant, on reste à la disposition de l'Assemblée pour toute éventuelle discussion par rapport à la présidente de n'importe quelle commission de notre compétence en fonction de gens qui comprennent l'Assemblée. Député, étant député, est-ce que vous sentez qu'on a parlé de bloc, vous sentez qu'il y a un nouveau bloc qui a vu, ou bien des blocs qui a croisé, comment on est en destin? Donc les situations obligées qu'il y ait, soit qu'il y ait des changements de nom dans les blocs, puisque il y a des blocs qui ont intégré de nouveau, qui ont forcé eux. Même Dakadi, il y a un bloc qui, même définitivement, ce bloc qui va exister, c'est le GPI. C'est un bloc qui a gagné 11 députés là-dedans et majorité là-dedans, il est reparti à travers d'autres blocs politiques. Donc, nous pas quoi, le bloc ça a capable de faire souffrir. Donc, nous avons 10 années à gagner au moins un bloc en masse à la Chambre des députés. Nous voulons plutôt l'idée qu'il n'y ait pas plusieurs blocs, qu'il y ait un bloc de la majorité et un regroupement de blocs de la minorité. De sorte que nous autres de la minorité, que tout soit bloc qui nous a, nous regroupons ensemble et nous prenons l'Assemblée et la Chambre des députés. Il y a deux blocs politiques, un bloc majoritaire et un bloc de la minorité qui est capable de venir avec des tendances variées, mais qui a pris des positions communes par rapport à la situation du pays. Mais quelle commission souhaite intégrer là? Je me rappelle qu'en 48e législature, j'avais présidé avec brio la commission économie et finances, et c'est ça qui donne notoriété dans le pays. Moi, tu as toujours un président de la commission économie et finances, mais je me rappelle que à la Chambre des députés, on ne fait pas valoir la capacité, la compétence, mais on a plutôt le principe du nombre, le principe de la quantité. Nous autres, nous faisons partie de la qualité de la minorité qualitative, donc on fera valoir encore notre point de vue, mais on reste au bureau et au groupe majoritaire de décider le choix et la distribution des commissions. Même a souhaité que nous arrivions sur le principe de placer l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. En occasion de parlementaire, ça, la nouvelle Chambre des députés, nous prenons le travail, disons, bureau d'abord, assemblée ensuite, prenons le travail avec l'exécutif pour nous définir agenda parlementaire pour l'année. Notre agenda, moi-même personnellement, nous reconnaissons que ça parle bien. C'est sûr que dans l'agenda de dernière, il y a un point qui peut être fini, nous allons travailler sur eux. L'exécutif n'a pas défini les priorités. Même nous-mêmes, dans la vérité européenne et alliée, il y a la qui peut occuper nous en pile. Ce qui peut occuper nous, c'est que tu as une élection indirecte qui a déjà fini l'année dernière. Tu as une résolution du Sénat qui peut faire exécutif la campagne sur eux. Nous pensons que l'important, pour nous casser le processus démocratique là, et surtout pour nous continuer avec l'idée de décentralisation qui fait pour tourner charnière l'État que nous construisons, nous pensons que l'impératif, l'important, pour l'exécutif là avec CEP, il y a des solutions nécessaires pour nous faire une élection. Parce que ce n'est pas normal. Presque un an après l'élection de base, de faire que l'élection collectivité, l'élection indirecte a continué, le campement en route, et jusqu'à présent, le monde qui était commencé, qui était élu déjà pour l'Assemblée municipale pour le conseil, et nous avons autorisé pour fonctionner, ça a paralysé tout le système. On a fait appel à l'exécutif là. N'a fait appel à CEP hein, pour bien les dispositions nécessaires qui pourront prendre tout ça au fait. Mais même la Chambre des députés en tout, n'a pas l'agenda législatif pour nous essayer de porter point ça dans cet agenda. Parce que c'est impératif pour nous, pour nous construire l'État, pour nous construire la partie de la base. Or, la base, la structure de l'État, nous gagnons, hein, c'est les collectivités territoriales et les assemblées qui doivent aller. Et ces changements, c'est que ça, un nouveau bureau
vraiment avec des nouvelles têtes, presque. Et de là, c'est la bataille pour l'enregistrement des blocs. Moi-même, comme vice-président du bloc GPS, groupe de parlementaires pour la stabilité, et nous attendons à ce que l'un des changements, c'est que nous avons pour renforcer le bloc politique, puisque la bataille avec les commissions pour prendre qui nous a pris telle commission ou telle autre, ça dépend de renforcement bloc et tout. Mais année ça sont année déjà spéciale, c'est une année en politique côté troisième année mandat parlementaire, c'est une année décisive en termes de négociation, en termes de contrôle du pouvoir politique. Dès que son année, nous voyons un peu de travail sous table déjà qui attend. Par exemple, maintenant, est-ce que le GPS que vous avez tenu, est-ce qu'il va prendre coup par rapport avec et nous, non seulement dans la confirmation, dans l'enregistrement, est-ce qu'il n'y a pas des instruments qui font? Non, écoutez, nous assemblés politiques. Et nous parler les coups, par exemple, un collègue fait choix qui était en bloc, aller dans l'autre. Donc, comprendre que c'est une bataille d'intérêt, intérêt sous table, garder qui bloc qui peut structurer, qui bloc qui offre beaucoup plus d'alternatives, beaucoup plus d'ouverture politique, tout ça la donne. Mais par contre, les collègues de GPS, nous gardons la même position. Nous c'est un bloc d'équilibre. Et nous faisons travail, nous j'avoue nous te faire lire. Et au contraire, nous avons une grosse possibilité pour nous renforcer le bloc là, pour nous passer à une vingtaine de députés et pour nous avancer. Et c'est ce renforcement qui parle d'association avec les autres blocs et les autres blocs de parlementaires et avec des groupes du Parlement. Quoi. Donc, GPS, même si nous, ce groupe d'équilibre, ce groupe intermédiaire qui existait entre bloc majoritaire et bloc minoritaire, nous toujours gardons en ligne. Et là, cette année encore, nous avons des dossiers pour nous continuer à voter et des dossiers qui d'intérêt, vraiment d'intérêt national. Par exemple, les dossiers de contrôle du gouvernement, côté nous prenons un dossier contre le gouvernement que nous avons avancé avec. Les dossiers concernant la fonction publique territoriale, c'est un dossier qui est très important pour nous dans la question de la décentralisation. Ensuite, nous avons des dossiers qui intéressent nous pour une modification dans le budget république là, pour que la question de la caravane dans l'entrée dans le budget et pour la forme commission en fonction de compétences où nous avons joint les députés. On comprend que c'est la triste réalité dans les assemblées politiques, bloc yo, malheureusement, fort souvent, n'est pas formé avec compétences. Et comme on dit, qui est ce monde, qui a telle possibilité, qui fait partie du plus bloc là, et que c'est la décision du plus grand nombre ici. Donc, nous pas basé vraiment sur un plan qualitatif pour les jeunes qui est ce monde qui est capable de présenter telle commission. Mais par contre, nous sommes intéressés aux commissions de finances pour nous travailler service nous, puisque c'est spécialisation nous. Nous intéressés à la commission de collectivité territoriale là, qui nous capable de travailler, soit comme monde qui n'a vu la commission ça ou comme mon bureau, de façon à nous avoir un travail qui est efficace, qui est capable de faire honneur à la chambre. Du Nord et du Nord-Est pourront profiter de 5 millions d'euros additionnels dans quelques années que nous planterons aujourd'hui. Alors, quand vous retournez à le bureau pour parler de ces nouveaux projets avant, premièrement, nous devons travailler ensemble pour que les communautés locales s'approprient des activités de déboisement. C'est quand seulement nous dans cette chambre
nos efforts ne seront être durables sans le soutien et la participation de l'environnement naturel pour subvenir à nos besoins quotidiens. C'est pourquoi je suis si heureuse de voir les entreprises locales et les premiers faire partie de l'événement d'aujourd'hui. Car c'est vous qui serez non seulement des bénéficiaires, mais aussi des gestionnaires de ce travail, longtemps après la fin du projet. Deuxièmement, et peut-être le plus important pour notre succès à long terme, est la bonne gestion des ressources naturelles en Haïti. La santé et la longévité de ces ressources dépendent de l'engagement de nos élèves du gouvernement d'Haïti à gérer les arbres de manière durable et à construire un solide réseau de services environnementaux pour les communautés locales. Je suis reconnaissante de la présence aujourd'hui de ceux qui soutiennent la conservation de l'environnement et notamment de l'appui du ministère Gorge. Cette participation reflète la nature intersectorielle de ce travail et l'importance du leadership haïtien dans la création d'une Haïti voisine, donc un monde voisin et en bonne santé. Comme dit le proverbe haïtien, je vais essayer, si vous venez sur quatre barres ou bleues, pas couper les doigts de vos côtés. Ça va, la prochaine fois, je vais essayer de faire tout en faire. Je crois que nous sommes tous solidaires dans notre objectif de protéger les ressources vitales dans l'environnement naturel d'Haïti. Et je suis fière de me joindre à vous aujourd'hui pour appuyer cette vision. Merci. Et maintenant, comme dit un proverbe chinois, le meilleur moment pour planter un arbre, c'est qu'il y a 20 ans. Le deuxième meilleur moment est maintenant. C'est le moment officiel du lancement de ce important projet de regroupement de 40 millions de dollars américains sur 7 ans que l'USAID entend mettre en œuvre avec le ministère de l'Environnement en vue d'accroître le pouvoir forestier et le pouvoir végétal et naturel afin d'améliorer l'offre de services environnementaux en appui à la sécurité alimentaire et à la résilience au profit des départements. Je voudrais vous transmettre ici le chaleureux encouragement du président de la République, Son Excellence, que ce projet cible et s'incruste particulièrement dans ce grand effort national impulsé par le président de la République pour organiser le pays en territoire viable, compétitif et porteur de dynamique de développement territorial durable. Dans cette optique, j'en profite pour féliciter l'USAID, l'ambassade américaine et le gouvernement des États-Unis d'Amérique et le peuple américain pour ce projet qui, à travers son exécution par la finance économique, témoigne, si on était encore besoin, de prendre de l'engagement de la coopération américaine être toujours à côté du peuple haïtien. De l'engagement de votre gouvernement, Madame la chargée d'affaires, à s'associer aux efforts du gouvernement haïtien à œuvrer pour l'amélioration des conditions de vie et du bien-être.
Universal Motors, je vous exprime la plus cordiale bienvenue à cette cérémonie. Elle traduit la volonté du groupe Bulos de mettre en place des stratégies innovatrices permettant l'accès à un plus grand nombre aux éléments qui contribuent tous les jours à l'amélioration de la qualité de la vie. En effet, il est clair que chacun ou chacune de vous, chacun ou chacune de vous aspire comme partout ailleurs à l'acquisition d'un logement ou d'un mode de transport moderne et de qualité. La signature de cet accord unique et original a pour but de permettre aux membres du barreau d'acquérir dans des conditions en adéquation avec leurs revenus un véhicule neuf bénéficiant d'une longue garantie, consommant moins d'essence et lui offrant l'espace et le confort pour la famille. Combien d'entre vous sont souvent forcés de faire l'acquisition de véhicules usagés, possibilité de devenir le propriétaire d'un véhicule Nissan à la portée de leurs revenus avec un financement en gourde pouvant aller jusqu'à 5 ans? Les conditions sont très simples. Premièrement, il faut être muni d'une référence du barreau de Port-au-Prince. Deuxièmement, il faut avoir rempli complètement les applications de crédit de la Universal Motors et avoir fourni toutes les pièces demandées. Troisièmement, il faut faire le choix d'un véhicule parmi la très large gamme Nissan. Il va y avoir plus de 7 modèles qui vont faire parmi de ce programme. Et en quatrième lieu, il faut verser un down équivalent à 30% au moment de l'achat. En cinquième lieu, il faut partir au volant de votre véhicule flambant neuf. Et dernièrement, bien évidemment, il faut payer les bons régulièrement et dans le temps agréé. Vous comprenez que les montants du financement seront définis à partir de votre capacité de remboursement. Mais ce programme est unique pour plusieurs raisons. Le financement est offert directement par la Universal Motors et donc le processus est plus simple et plus rapide que la banque. Le financement inclut non seulement le véhicule, mais aussi l'assurance et le taux d'intérêt est particulièrement bas, soit 10% en gourde. La période de financement peut aller jusqu'à 5 ans, permettant à l'acheteur d'avoir les bons les plus bas que possible. Nous sommes heureux d'être les architectes de ce programme, permettant à des professionnels, souvent débutants, ayant des revenus moyens, de transformer en réalité un de leurs rêves d'avenir. L'avenir avec la Universal Motors n'est pas demain, il est aujourd'hui. Pour accentuer ce sens de la réalité, tout de suite après la cérémonie, vous pouvez admirer sur le parking de l'hôtel les modèles qui font partie de ce programme et commencer déjà la démarche prévue dans le protocole d'accord. Encore une fois, nous vous souhaitons la plus cordiale bienvenue et vous souhaitons bonne route au volant de votre Nissan toute neuve. La signature de l'accord de partenariat avec la Universal Motors constitue la concrétisation d'un des objectifs contenus dans le programme du bâtonnat 2017-2019. Au terme de l'article 46 du décret du 9 mars 1974-79, sur la profession d'avocat, le Conseil de l'Ordre a pour mission de créer les conditions de sécurité professionnelle pour les avocats. C'est une notion que l'actuel Conseil interprète de manière extensive, en combinant les conditions de sécurité intrinsèques à l'exercice de la profession, mais également la sécurité sociale de l'avocat. Dans notre pays, la sécurité sociale, bien que prônée par de nombreux textes, reste un projet que les pouvoirs publics n'arrivent pas à réaliser jusqu'à présent de façon satisfaisante au profit de la population. Par le passé, les ordres d'avocats ont pensé que la seule caisse de prévoyance et de sécurité sociale pouvait soulager leur monde de nombreux soucis. De nos jours, l'augmentation à un rythme accéléré du nombre d'inscrits dans nos barreaux, le coût de plus en plus insoutenable des biens et services font apparaître la limite de la caisse de prévoyance et de sécurité sociale. Dès lors, il convient d'identifier d'autres mécanismes, d'autres produits à l'effet d'améliorer les conditions de travail de l'avocat et pour maintenir le prestige de la profession, le tout en ayant à l'esprit la préservation de l'indépendance de la profession. L'assurance maladie-maternité, mise en chantier avec le FATMA en avril 2016, constituait le premier volet de la nouvelle stratégie. Aujourd'hui, avec la signature
du partenariat avec Universal Motors, les avocats qui, pour certains, se trouvaient ou se trouvent à la merci des usuriers ou des banques qui imposent des conditionnalités de crédit des fois inabordables ou qui recouraient à des voitures usagées importées avec leur lot de tracasseries, dédouanement, panne à répétition, ont la possibilité d'acquérir un véhicule neuf à prix préférentiel et à un taux d'intérêt annuel de 10% invariable sur une période de 3 à 5 ans. Cet accord de partenariat est une facilité offerte aux avocats. Il ne s'agit pas d'une obligation pour les membres de la corporation d'acquérir uniquement des véhicules Nissan ou d'en acheter par l'intermédiaire du barreau. Autrement dit, un avocat peut acheter le véhicule de son choix de n'importe quel concessionnaire, y compris de la Universal Motors. Néanmoins, quand l'avocat entend acquérir un véhicule dans le cadre de ce partenariat, le barreau, avant de signer la recommandation, s'assurera qu'il est en règle avec sa cotisation annuelle, que sa patente et sa déclaration définitive d'impôt sur le revenu sont à jour, qu'il a souscrit soit à l'assurance maladie maternité avec le FATMA ou avec un autre prestataire du secteur, qu'il n'est pas indexé dans sa pratique pour manquement à l'éthique et à la déontologie, que son historique avec les institutions bancaires et financières permet de placer confiance en lui. En tant qu'association, le barreau cherche à tirer avantage de la libre concurrence entre les prestataires de services au profit de ses membres. Le barreau reste ouvert d'autres marques, soit sur d'autres produits. Dans ce contexte, en vue de concrétiser le troisième volet de sa nouvelle stratégie de sécurisation professionnelle, le barreau souhaite identifier une institution financière avec laquelle il pourra discuter et conclure un accord pour obtenir un financement permettant aux avocats d'ouvrir leur cabinet ou d'entreprendre des travaux de rénovation ou de réaménagement de leur cabinet. Tous ces projets et initiatives tendent en définitive à préserver la dignité de l'avocat, le prestige de la profession et à créer les conditions d'exercice sereines de la profession à l'abri de pratiques en dehors de l'éthique. Pour le besoin d'avocats de notre société est en pleine mutation. En pleine mutation, la profession se redéfinit constamment pour continuer à mieux servir les justiciables. Pour l'avocat, le cabinet, son environnement immédiat et un véhicule facilitant son déplacement constituent des instruments de travail. En combinant les exigences de compétences intellectuelles, de critères éthiques et un bon environnement de travail, le Conseil de l'Ordre émet le vœu que les véritables bénéficiaires seront les clients, les justiciables, qui bénéficieront de meilleurs services. En terminant, j'exhorte les avocats qui vont acquérir des véhicules dans le cadre de cet accord de partenariat à bien identifier les sources de revenus leur permettant de rembourser la dette. Le respect d'un engagement librement conclu est une obligation déontologique. Il mettra l'avocat à l'abri de poursuites pouvant déboucher sur la saisie du véhicule mise à sa disposition à partir d'un contrat de vente conditionnel et sur d'autres biens composant son patrimoine. Prenez donc le temps de réfléchir avant de vous endetter, car le crédit et la réputation du barreau se trouvent également en jeu dans le cadre de ce partenariat. Il ne me reste qu'à vous dire compliments et bonne chance à vous les avocats, les futurs acheteurs. We'll be right back.
ensemble ce matin revêt un caractère hautement symbolique. Baptisée cérémonie de la blouse blanche, cette cérémonie est relativement jeune. En effet, ce n'est qu'en 1993, il y a donc 25 ans, que le docteur Arnold Gold, professeur de neurologie clinique et de pédiatrie clinique au Columbia University College of Physicians and Surgeons à New York, donc le collège des médecins et des chirurgiens de l'Université de Columbia à New York, donc, le docteur Arnold Gold décida, après avoir le caractère tardif de la pratique, de faire prononcer le serment d'Hippocrate par les étudiants au terme de leur formation médicale. Il décida donc d'introduire cette cérémonie. La vision du docteur Gold était d'établir, avant même que les étudiants ne commencent leur formation médicale, des principes bien définis concernant les attentes et les responsabilités appropriées à la profession médicale. La fondation Gold, créée par le docteur Gold, institua cette cérémonie dans le but de mettre l'emphase au tout début de la formation médicale sur l'humanisme dans la pratique médicale. Cette fondation, la fondation Gold, est surtout connue pour le slogan qu'elle essaie de propager à toutes les facultés de médecine: gardons les soins de santé humains. Grâce aux efforts conjugués de la Fondation Gold et de la Fondation Robert Wood Johnson, la cérémonie de la blouse blanche a été adoptée par 99% des écoles de médecine aux États-Unis d'Amérique. Établie et actuelle de l'Université Notre-Dame d'Haïti. Chers récipiendaires, que symbolise pour vous, étudiants de première année de médecine, la cérémonie de la blouse blanche? Elle se veut d'abord un rituel d'initiation. Vous faites partie de la grande famille médicale. Le port de la blouse blanche doit symboliser pour vous tout le prestige et l'honneur liés à la profession médicale, considérée comme l'une des professions les plus nobles, puisqu'elle concerne ce que l'être humain considère comme son bien le plus précieux, sa santé et donc sa vie. Certaines facultés l'organisent pour les étudiants au commencement de leur étude, d'autres à la fin. Mais à la faculté de médecine et de pharmacie, le font pour vous qui êtes en première année. De ce fait, elle signifie la fin de l'orientation et le commencement de vos cursus académiques en pharmacie. Autrefois, pour ceux qui travaillaient dans les hôpitaux, les pharmacies d'officine, dans les industries pharmaceutiques, la blouse blanche était uniquement un moyen de se protéger contre les infections provenant des patients, contre la nocivité des produits chimiques et des accidents de laboratoire. De nos jours, elle symbolise le service, la communication authentique avec les patients, l'amour pour ses ennemis. Chers étudiants en pharmacie, cette cérémonie à laquelle vous participez intellectuelle et d'éthique professionnelle, favorisant l'empathie cognitive et émotionnelle dans l'exercice de la profession de pharmacie. C'est aussi une façon claire de vous dire que vous êtes des pharmaciens à part entière
et de vous accueillir dans cette belle profession que représente la pharmacie. Désormais, sans vouloir vous enorgueillir, vous faites partie de l'élite intellectuelle et scientifique du pays. Cependant, ce chemin emprunté n'est pas parsemé de roses au début. Il est dur, difficile et jonché d'épines. Pour pouvoir récolter les roses à la fin, il faut dès aujourd'hui que vous preniez au sérieux vos études. De vous adonner à la lecture des articles scientifiques, des livres vous permettant de progresser tout au long. N'oubliez pas que vous êtes cette génération qui symbolise l'espoir, qui va apporter le changement et révolutionner le monde de la pharmacie en Haïti. Il y a un manque de... Kizmeri, dans Delma 33, dans zone Clébaillé, tout près du palais municipal. Là, il y a une communauté qui est la communauté catholique Saint-François de Sales, qui a évolué là depuis 8 ans, notre 8e anniversaire. Il a commencé avec tremblement de terre. Dans la communauté, ça, avec tout le monde dans le quartier qui participe à la dernière activité, il y a un bagage qui fait chaque année, mais pour marquer. 12 janvier, c'est ça nous relève clinique mobile. Clinique mobile, là, c'est le tout jeune dans la communauté à mobiliser, il a fait enquête dans toute caille, passer caille après caille. Et puis, en même temps, il a rencontré Mounio, cherché connaître qui est-ce qui est malade, qui ça, il n'y a pas de temps. Organisé avec communauté, avec docteur qui la donne, infirmière qui la donne, avec un pile d'autres médecins qui fait réseau avec 100 000 autres monde dans la communauté à tout, avec santé publique qui est là avec nous, qui vient comme participer la donne tout, avec Dagadi communauté à la commune mairie à tout, qui vient porter concours. Mais là, son activité l'église organisée. Dans la communauté catholique Saint-François de Sales Delma 33. Et moi je dis ça, ça qui fait, c'est surtout la médecine Timoun pour médecine G. Et puis en même temps, tout, il y a une prévention, il y a une formation qui baille, il y a quelques monde qui participent depuis matin à mobiliser, à former, à informer, à parler avec la population qui vient mieux, monde qui vient mieux, supposer qu'ils ont prévention de santé, prévention est important tout. Alors c'est l'activité ça qui gagne, mais parmi toutes les activités qui sont organisées, et le fait dans la coupe par Kizmeri, parce que c'est là, 12 janvier, après le moment de sauter un football là. Toutes zones terminées, tout le monde qui était blessé, qui était en difficulté, qui était victime, c'est là qu'il était rassemblé et c'est là que toute bagarre a commencé. Donc, pour aujourd'hui, nous commençons à recevoir Mounio commencé depuis 7h30, 8h du matin. Mes préparations ont commencé depuis passé un mois. Parce que il y a une enquête qui fait, il y a mon aller visiter, il y a passé la famille, il y a les rencontrer, il y a préparé les fiches pour eux. Donc ce bagage qui prend temps. Et puis en même temps, tout mobiliser infirmières, mobiliser docteurs, mobiliser produits, même pharmacie, pour un produit pharmaceutique. Mais ça, belle la donne, ces gens ouais, qui sont en communauté nationale, la même communauté locale, là tout, ils répondent avec générosité dans, et participer dans le travail, ça, on va dire, dans le service ça, pour la population. Attends, non.
c'est faire une vie plus près avec nous. Attente nous, c'est permettre que chaque monde soit capable de comprendre la communauté à l'écart d'un service. Attente nous, c'est permettre tout le monde qui a une possibilité de collaborer, de mettre une bagarre tout comme apport par eux, comme contribution par eux pour aider la communauté plus bien. Nous, là, je dis, pour que nous encadrer, assister, et monseigneur avec toute équipe qui organisait l'événement ça aujourd'hui pour la prise en charge, nous sommes capables de dire de tout cas de, qui est capable de présenter, cas blessure, qui besoin de tissu tué, ou bien si il y a un cas qui mérite de référer l'hôpital, nous là pour ça. Alors c'est pour nous expliquer que le ministère de la Santé publique travaille, c'est offrir un service et soins à toute communauté dans tout territoire national. Maintenant, le ministère a voulu pour que lui rentre, lui engager à ce que toute manifestation de masse, tout côté qui vient en pile monde, il a joint le ministère de la Santé publique la donne. Et puis devant, nous allons parler avec Dr Milor, qui est un bras opérationnel du ministère de la Santé publique. Pour attendre après toute activité, ça nous c'est que les communautés et les populations en général, nous sommes conscients pour comprendre le travail que le ministère de la Santé publique a fait et puis pour collaborer avec lui, surtout à travers les messages que la Santé publique voyait de temps en temps, soit dans la radio, soit dans la télévision. Le ministère de la Santé publique recevait une lettre et le ministère de la Santé publique lui-même, mission parle avec engagement qu'elle prend, surtout pour, depuis que l'entrée dans le ministère, c'est aider toute communauté en ce qui a trait à la santé. Et il y a un bagage que nous déclarons, c'est que toute zone sensible, toute zone défavorisée, il faut que lui-même soit là. Santé publique n'est pas capable parce qu'il y a une mission que nous gagnons, c'est santé pour tout le monde, sans distinction. Parce qu'avec un peu de plaisir, pour que votre collaboration avec la communauté, ça, dans le niveau santé. Nous, là, nous avons besoin de consultations qu'a fait pour tout le monde, des présences internistes, des présences généralistes, des pédiatres qui l'a, des pharmaciens qui l'a, des secouristes qui a fait formation et sensibilisation en éducation sanitaire, et puis qui a fait formation, qui a éduqué les jeunes là, pour qu'on puisse comporter pendant la période carnaval. Nous voulons un grand appui avec cette grande communauté catholique de Delma 33, mais c'est grâce à la santé publique, nous disons pour tout le monde, nous avons toute collaboration avec Saint-François de Sales qui existait dans Delma 33. Et nous avons déjà annoncé que nous ne sommes pas là annuellement. Nous ne sommes pas là annuellement, nous sommes là pour nous faire appui parce que nous restons une communauté qui a développé et qui a un plus objectif. Et nous devons nous faire même pour collaborer avec eux. Mais tout ça qu'il a fait, nous ouvrons avec eux et nous avons santé tout partout, dans tous côtés. Si politique parasol dit libre note, libre acte de bilan 9 mois, Premier ministre Jacques Guy Lafontaine ou encore gouvernement Lafontaine-Moïse, administration Lafontaine-Moïse. Parti politique parasol noté tout effort, tout travail que gouvernement fait, mais du même coup, parti politique parasol qui reconnaît que le gouvernement Sahara a un héritage qui loue après cyclone Matthew, un héritage qui loue après tout désordre parti politique à un pays qui a un taux démographique de 1.5% et croissance là n'est pas suffit. Dans le cas pour l'année 2018 là, parasol a demandé au président avec le premier ministre là pour lever pied pour faire plus toujours. Encourager, mener bataille contre des ordres d'administration publique là pour changer, mauvais la vie du peuple là. Thank you.
je dis à nous faut caravane, nous devons ministère MAV, parce que ministère ça, c'est lui-même, lui ça lui a occupé deux ministères à nous-mêmes, planter piquet pour là, jusqu'à ce que l'OPE nous permette les Guinée. Passer dans Cité Soleil pour voir combien de restaurants qui ouvrent. Nous devons passer dans Village de Dieu, Cité Plus, Carrefour, dans tout quartier populaire. Nous avons dit, allez, l'argent peuple, la petite peuple, alors nous n'avons pas marché. Tout le bagage a coûté. Jeudi, restaurant pas ouvert, caille fermée, nous pas toucher. Will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal. Etched into the hearts of our people and written into the soul of humankind, it is the dream of a world where people are judged by who they are, not how they look or where they come from. It is the dream of a nation that offers life of dignity and hope to every American, regardless of color or creed. It is the dream of a nation faithful to its founding principle that we are all created equal. This sacred principle was the cause for which Dr. King and so many other historic Americans sacrificed in places like Selma, Birmingham, Montgomery, and Memphis. They were heroes who led our nation forward toward a future that is more just and more free. 50 years ago this spring, Dr. King was cruelly taken from this world by an assassin's bullet. But the promise he fought and the cause for which he gave his life only gained strength and force and power with the passage of time. Last week, I was so pleased to be joined by Dr. King's niece, Alveda, as I signed into law the Martin Luther King Jr. National Historical Park Act. This important legislation will ensure that the beautiful historic park continues to tell Dr. King's story for generations to come. On this cherished day, we honor the memory of Reverend King, and we rededicate ourselves to a glorious future where every American from every walk of life can live free from fear, liberated from hatred, and uplifted by boundless love for their fellow citizens. I ask every citizen to join me in remembering this great American hero and to carry on his legacy of justice, equality, and freedom. God bless the memory of Reverend King, and God bless the United States of America.